Bonjour à tous, merci de me retrouver pour un nouveau tuto tous les mardis et les jeudis sur les conseils d'Isa. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment faire pour ouvrir un fichier qui porte l'extension .odt. Donc les fichiers qui portent généralement cette extension sont généralement faits, oui, à partir de la suite bureautique qui est gratuite, qui s'appelle OpenOffice. Mais peut également être ouvert à partir de Word Office 2007 et plus. Voilà. Oui, et avant de commencer cette vidéo, juste faire une petite dédicace à ma cousine. Donc, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et voilà. Donc, voilà. Revenons-en à notre vidéo. Donc, pour accéder à WordPad, qui est déjà à la base installé sur votre ordinateur, que ce soit pour XP, Vista ou Windows 7, donc on va le chercher tout de suite, c'est toujours au même endroit, donc c'est démarrer, vous faites tous les programmes, accessoires et WordPad. Voilà. Je vais chercher mon fichier, donc là je fais ouvrir. Donc là mon fichier est dans le bureau. Je sélectionne. Juste une petite précision, lorsque vous déroulez ce menu ici, on montre bien que les fichiers .odt s'ouvrent bien avec WordPad. Voilà. Vous faites ouvrir. Et là, on voit bien que mon fichier s'ouvre avec WordPad. Voilà. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo avec vos connaissances. Et voilà, je vous dis à bientôt sur les conseils d'Isa.